Faut que ça, que l'école là, qu'à travers ces pas la même difficulté hein, que toute la population va nous vivre. Tous les jours, l'école t'a fermé parce qu'il n'y a pas dans l'école là. Tous les jours, l'école t'a fermé parce qu'il n'y a pas ni de l'eau dans l'école là. Tous les jours, l'école t'a fermé parce qu'il s'engasse et petit maman ne peut pas apprendre. Le professeur ne peut pas justement faire le cours parce que justement, il y a un poison de débat sans gaz là. Il y a un poison de débat de l'eau que il y a distribué dans ce bureau à Kikou. Je dis jour, la FSU a appelé toutes les organisations syndicales, toutes ces organisations défense à l'eau, défense contre sans gaz, à mobiliser la population, faire que justement tout le monde vienne, tout le monde semble, pour que demain nous périvions faire de telle façon que nous n'ayons de l'eau potable à dans ces robinets noirs. Faire de telle façon que ce petit maman est là qui est dans l'école là, eh bien, il est arrivé et réussi. Je dis jour, car ouais, justement, il y a un certain nombre de jeunes qui a essayé de prendre bac, qui a essayé de prendre brevet, il y a de grandes difficultés tout simplement parce que c'est l'école là, nous ne pouvons pas travailler là-dedans parce qu'il s'engasse, nous ne pouvons pas travailler là-dedans parce que justement il y a des conditions sanitaires inacceptables. Et donc je dis jour, il faut que les parents d'élèves, il faut que les élus, que tous ces gens qui travaillent justement pour que demain justement, nous puissions vivre dans un petit pays là correctement, faire de telle façon que justement, nous arrivions à attraper cause pour attraper de l'eau, attraper santé, faire de telle façon que l'hôpital a fonctionné correctement. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un pays où il y aura fait une mort parce que justement, il n'y a pas de conditions sanitaires acceptables. Et donc, je dis jour, nous avons dit tout simplement, nous ne pouvons pas accepter ça. Demain, nous allons aller prendre balle, tromper nous. Aïe, tout le monde, dans la rue, dans l'école, dans l'administration, l'hôpital, tout côté, nous faisons comprendre que demain, il faut nous vivre correctement dans un pays. Et faire de telle façon que nous vivons dans des conditions sanitaires acceptables. Et donc, ensemble, nous guérissons et ensemble, nous guérissons.